régional a commis une faute en décidant d'éclater le TER en PACA en plusieurs lots. Donc là, en l'occurrence, il en ouvre deux à la concurrence, mais il y a d'autres lots qui sont possibles, qui sont prévus. Nous disons que c'est une erreur, que ça va faire perdre de l'efficacité au TER en PACA, que du coup, il y aura une menace sur un certain nombre de trains, et il y aura une menace sur les droits sociaux des salariés. Donc on vient ici pour dire ça se passera pas comme ça. Vous annoncez une forte mobilisation dans les 2 ans à venir ? Oui, on ne va pas lâcher le Conseil régional. Nous refusons que le dumping social soit le carburant d'ouverture à la concurrence. Nous refusons que la perte d'efficacité qui est générée par la création de ces micro-entreprises soit compensée par la casse des droits des salariés. Et pas aussi les suppressions de trains, parce qu'il y en aura. On va se mobiliser pendant 2 ans pour imposer le fait que les mêmes conditions sociales soient appliquées dans les filiales SNCF, dans les entreprises privées qui sont transférées. Et vous verrez qu'au final, si on gagne sur les conditions de travail qui ne sont pas touchées, ben en fait, la concurrence se fera pas, parce qu'elle n'existe que pour ça. Merci.